Une église pour un nouveau départ, un endroit pour vous réconcilier avec Dieu, un endroit où l'amour et la communion fraternelle sont les pierres angulaires. Tous les vendredis de 18h à minuit, études bibliques, veille de nuit, cri de minuit. Les dimanches, école dominicale de 9h30 à 10h30, suivi du culte d'adoration jusqu'à 13h. En soirée, service d'évangélisation et de prière de 18h30 à 21h. On peut rejoindre le pasteur Abdias au 514-892-7361. L'église Mission, la maison de l'Éternel, 2953 rue Bélanger Est. Une église où l'authenticité fait la différence. Pour toute assurance vie individuelle, invalidité, accident, maladie grave, hypothécaire, assurance voyage, régime enregistré d'épargne retraite, REER, ouverture et transfert du régime enregistré d'épargne études, REER, compte d'épargne libre d'impôt, CELI, assurance auto et habitation, une seule référence, Dena des Roses, conseiller en sécurité financière pour une vie toujours en rose et une famille en liesse, même dans la vieillesse. Téléphone 514-588-1843-514-588-1843. Agir Multiservice, c'est la référence en matière de vente et réparation de cellulaires, ordinateurs, télévisions, iPad, laptop, accessoires informatiques et électroniques. Vente de TV Box pour les chaînes haïtiennes. AJM Multiservice, c'est également transfert d'argent partout à travers le monde. Minutes sur votre téléphone. Paiement des factures de téléphone, assurance et Hydro-Québec. AJM Café Internet, vente de CD évangélique, billets pour concert et festival gospel, fax, photocopie, etc. Supporter AJM, c'est supporter l'émission Déjeuner Spirituel. Passez-nous voir au 2331 Rue Fleury Est, Montréal, coin de Lille. Téléphone 514-892-7361, 438-558-0664.
le Seigneur. Dieu fidèle, Dieu fort et grand, Dieu de toute puissance, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Père Saint, toi qui ne changes pas, toi qui es l'alpha et l'oméga, le Dieu fidèle, le Dieu grand, en qui il n'y a aucune ombre de variation. Père Céleste, toi qui habites dans les lieux secrets, nous nous approchons devant toi ce soir pour te remercier pour la vie que tu nous donnes à travers ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes multiples bienfaits, pour tes grâces envers nous. Merci au Père pour tout ce que tu as accompli dans notre vie. Merci encore, cher Seigneur, pour l'opportunité que tu nous donnes encore d'être ici ce soir pour la présentation de cette nouvelle édition de l'émission Souper spirituel. Cette émission qui met l'emphase sur l'enseignement de ta parole qui est la Bible, ta parole qui est la vérité. Nous te demandons, Père Céleste, de nous utiliser, de bénir nos téléspectateurs, nos téléspectatrices, tous ceux et celles qui sont branchés pour suivre cette émission. Permets au Dieu, à travers l'enseignement de ta parole, qu'il puisse être édifié. Nous avons besoin de toi. Nous réclamons ta sainte présence. Nous te demandons de nous utiliser afin que ton peuple soit béni à travers l'enseignement de la Bible, l'enseignement de ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur pour la THM, la télévision haïtienne de Montréal. Grâce à cette station, nous pouvons proclamer ton évangile de grâce. Bénis le personnel de la station, bénis l'équipe technique, bénis les techniciens qui sont là pour la réalisation de cette émission. Sois avec nous, aide-nous. C'est la prière que nous t'adressons au nom et par les mérites de ton Fils Jésus, lui qui vit dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Bon après-midi, bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir, bonjour, bon après-midi, dépendamment de l'endroit où vous nous regardez, parce que nous sommes sur le net, la télévision haïtienne de Montréal, vous pouvez nous regarder un peu partout à travers le monde. Alors là où vous soyez, nous vous disons bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Souper spirituel en ce samedi 29 novembre 2019, la dernière émission du mois de novembre. Comme vous pouvez le constater, Pasteur Abdias n'est pas avec nous ce soir. Malheureusement, il n'est pas là. Il est empêché. Alors, je suis tout seul. Je suis tout seul pour vous présenter cette nouvelle édition de votre émission Souper spirituel, cette émission qui met l'emphase sur l'enseignement de la parole qui est la Bible qui est notre boussole. Alors ce soir, nous allons vous présenter une nouvelle émission. Ce soir, nous allons vous présenter les armes spirituelles du chrétien en guise de l'enseignement de la parole. Alors merci d'être là. C'est votre émission Souper spirituel sur la THM, la télévision haïtienne de Montréal. Et puis cette émission est en reprise tous les dimanches, soit demain soir à compter de 20h. Cette émission sera en rediffusion et puis les mercredis 20h également. Vous pouvez nous suivre. Alors si vous manquez cette édition, alors demain soir vous pouvez regarder cette émission à compter de 20h et les mercredis à compter de 20h. Alors ce soir, nous allons vous présenter les armes spirituel du chrétien en guise de l'enseignement pour ce soir, car Souper spirituel avec Pasteur Abdias Jean Musac, c'est une émission qui met l'emphase sur l'enseignement de la parole qui est la Bible, parce que l'enseignement de la parole, c'est très très important pour vous qui sommes chrétiens évangéliques. Alors le texte que nous allons considérer avec vous ce soir, Éphésiens chapitre 6, nous allons considérer Éphésiens chapitre 6,
à partir du verset 10 à 24. Alors sortez votre Bible, nous allons faire cette lecture pour vous, Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 24, où l'apôtre Paul nous présente les armes spirituelles du chrétien. Mais pour tout de suite, nous allons auditionner une autre pièce musicale. Au retour de cette pièce musicale, nous allons faire la lecture pour vous, suivie de l'enseignement sur les armes spirituelles du chrétien. À tout de suite. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Appelé par mon nom, tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Et voilà, nous sommes de retour après cette pause musicale. Alors, comme annoncé, je vais faire la lecture pour vous dans Éphésiens 6, les versets 10 à 24, les armes spirituelles du chrétien. Alors, suivez cette lecture avec moi. Alors, merci à tous ceux qui sont déjà branchés. Alors, sortez votre Bible pour faire cette lecture avec moi, dans Éphésiens 6, versets 10 à 24, les armes spirituelles du chrétien. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités,
contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychique, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Éphésiens 6, verset 10 à 24, côté que l'apôtre Paul a parlé nous, lui présente nous les armes spirituelles du chrétien. Et si l'apôtre Paul présentait les armes spirituelles du chrétien, posez peut-être nos questions. Pour qui ça un chrétien besoin de posséder les armes spirituelles? Pour qui ça l'apôtre Paul prend le soin pour l'exhorter les chrétiens d'Éphèse pour être capables d'armer eux, pour être capables d'armer eux des armes spirituelles? Eh bien, la raison est simple, c'est que tout vrai chrétien qui engage eux pour marcher à Christ, eh bien, connaît que ou engagé dans une bataille. Apôtre Paul connaît que comme chrétien, comme vrai chrétien, eh bien, pour capable mener vie spirituelle, ça pour capable mener combat ça, eh bien ça prend les armes, et les armes yo, ce sont des armes spirituelles, parce que nous engagés, nous besoin reconnaître que nous engagés dans un combat qui pas piti du tout. Et c'est une erreur qui est liée lorsque moun nan li vin accepter Christ et puis yo pas prend le temps pour yo expliquer dans qui ça qui l'embarqué. C'est-à-dire immédiatement que ou accepter Christ, eh bien, ou embarquer dans un combat. Tout vrai chrétien, depuis que vous acceptez Christ, c'est dans un combat, vie chrétienne, dans li pas facile, il pas jamais facile à travers la Bible, à travers l'histoire de l'Église. Vie chrétienne, dans li pas jamais facile, parce que tout le monde qui voulait suivre Jésus, eh bien, supposé prendre croix pour suivre lui. Et l'Église supposé prendre le temps pour enseigner les gens lorsque vous venez. Et c'est ça qui fait un pile moun rentre l'église, yo quitté. Parce que yo vini pour yo débloquer, yo vini pour yo guérir, yo vini pour une délivrance, yo vini pour une raison quelconque. Mais la vie chrétienne n'a pas de jambe ça vraiment. Il pas de jambe ça, c'est une vie de combat, c'est une vie de lutte. Et apôtre Paul lui-même, il te prend le temps pour présenter les armes spirituelles du chrétien, côté que chrétien lui supposé armer parce que li nan yon combat. Et c'est peut-être ça qui met à disposition nous toutes armes que nous besoin pour nous capables mener combat ça. Il a répété ou même qui c'est chrétien, tout vrai chrétien, eh bien ou dans un combat. Nous gagnons adversaire qui c'est Satan le diable, et pour nous capables faire face avec adversaire ça, ça prend les armes spirituelles que apôtre Paul lui-même lui présente nous. Et tout d'abord, nous avons besoin de reconnaître l'adversaire. Les armes spirituelles du chrétien, pour qui ça? Pour nous capables de mener combat contre qui? Contre Satan, le diable, contre l'adversaire. Et apôtre Paul commençait dans verset 10 là,
Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et apôtre Paul, avant Paul présenter l'ennemi, il commençait pour le dire chrétien pour chercher force dans Christ là. Eh bien, pour capable fortifier ou pour capable chercher force pour goumer contre adversaire là, eh bien force là ou pas de chercher de l'autre côté, ou de chercher force ou dans Christ. Et tout vrai chrétien ou besoin chercher force ou capable mener combat ça, ou besoin chercher force là dans Christ. Force là n'est pas l'autre côté. Force là n'est pas résider dans mouchoir rouge, n'est pas résider dans ogou ferraille, n'est pas résider dans vaudou, n'est pas résider dans bag. Eh bien force là, eh bien pour capable mener combat spirituel là, eh bien ou besoin, Paul dit nous besoin fortifier ou bien chercher force ou eh bien dans Christ, par la force toute puissante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ou besoin reconnaître adversaire. OK? Ou besoin reconnaître adversaire là parce que si ou bataille contre un adversaire, ou besoin les armes spirituelles, eh bien tout d'abord ou besoin reconnaître adversaire là. Et dans verset 10, 11, 12, 13, apôtre Paul lui-même lui présente nous adversaire là. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, nous pas gagnons adversaire physique. Nous pas gagnons adversaire physique, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, apôtre Paul, il présente nous adversaire là, les caractéristiques de adversaire là, qui c'est Satan, le diable, côté que, en pile fois, en pile, Satan prend différentes formes, eh bien, nous-mêmes, nous besoin identifier adversaire là. Et nous prenons des exemples, côté que, yon boxeur, qui prend le goumen contre l'autre boxeur, eh bien, qui ça le fait, il prend le temps pour les visionner. Coach, li, entraîneur, il prend le temps pour visionner l'adversaire là, pour visionner tout match que l'autre boxeur a joué déjà, pour essayer de trouver faille pour que l'autre adversaire là, lui-même, soit capable de passer le KO. C'est la même chose lorsque deux équipes football a joué, par exemple, Brésil a joué contre l'Argentine. Eh bien, entraîneur brésilien ou bien entraîneur argentinien, il prend le temps pour visionner. Visionner Mathieu, visionner par exemple l'Argentine ou bien Messi. Côté que l'entraîneur fait toute tactique, visionner vidéo pour connaître comment il pourra capable bloquer Messi. C'est-à-dire supposer qu'on adversaire là. Avant que on goumer, et bien supposer qu'on adversaire là. Et lorsque deux pays prennent en guerre tout, les États-Unis par exemple pral goumer contre l'autre pays, lorsque États-Unis te gen pou le tal goumen pour te rentrer en Irak à chercher Saddam Hussein, nous pas faire politique, mais yo te prend le temps, yo te prend le temps pour yo te étudier, OK, yo te situation géographique paysan tout côté Saddam Hussein capable cacher, yo te prend le temps pour yo te capable positionner yo stratégiquement pour yo konn comment, eh bien yo pral rivé capturer Saddam Hussein. Eh bien, ou besoin reconnaître adversaire là, c'est très très important. Parce que c'est lorsque qu'on adversaire là, c'est lorsque on prend le temps ou étudier adversaire là pour capable découvrir toute faille li, eh bien c'est là ça va capable vaincre li. Eh bien apôtre Paul il dit nous, eh bien nous besoin reconnaître adversaire là. Et non seulement nous fin chercher force nous dans Christ pour nous capable mener combat spirituel, ça qui c'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Eh bien notre force se trouve en Christ. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. OK? C'est-à-dire apôtre Paul il présente nos adversaires là, nous besoin et mettez toutes armes ça à disposition nous pour nous capable résister contre les ruses du diable qui est notre adversaire. Et apôtre Paul il était utilisé un soldat romain. C'est illustration ça que lui-même était utilisé pour être capable
présentez-nous les armes spirituelles, parce que Rome était la puissance militaire de l'époque. Alors c'était plus facile pour apôtre Paul d'utiliser un soldat romain pour te présenter les armes spirituelles du chrétien. Un soldat romain de nos jours qui c'est équivalent à un soldat américain qui c'est la grande puissance actuellement. Eh bien, peuple là, il était familiarisé avec soldat romain, il était connu soldat romain. Eh bien, apôtre Paul lui-même, il était utilisé, il était pris en illustration soldat romain pour être capable d'expliquer les chrétiens d'Éphèse, pour être capable d'illustrer les âmes spirituelles du chrétien. Nous devons reconnaître l'adversaire là, il est très très important. Et Seigneur a tout puissant pour plein noir force lui. Et force, la force se trouve en Christ. Et dans Philippiens 4, verset 13, apôtre l'a dit, n'importe situation qui paraît devant nous, moi pas déranger grand merci Christ là qui ban moi force à courage. OK? C'est-à-dire n'importe situation qui arrive devant nous avec la force de Dieu, eh bien nous pas quitter nous déranger. Verset 11 là, li exhorte nous pour nous mettre zam bon Dieu sous nous pour une raison qui c'est pour nous capable résister, pour nous capable kembe ferme, pour nous capable résister devant Satan, le diable. Et verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous sommes libres pour vous, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 12 là a une importance spéciale. Parce que c'est lui-même qui présentait l'identité adversaire. Dans verset 12, Paul lui présentait l'identité adversaire, que c'est Satan, le diable. Même si connaissance nous, pas permettre nous identifier ennemi par ordre hiérarchique, mais nous tous connaissons que nous n'ayons combat avec Satan, le diable. Et, chers téléspectateurs, téléspectatrices qui suivent l'émission Souper spirituel, eh bien, nous voulons exhorter à soi. Nous gagnons seul ennemi. Vous entendez ça? Nous gagnons seul ennemi, nous gagnons seul adversaire qui c'est Satan, le diable. Et ça, il doit être clair. Eh bien, nous gagnons un ennemi qui est invisible, lui c'est Satan, le diable. Et lorsque nous sommes chrétiens, eh bien, nous avons besoin de chercher la paix avec frères, avec sœurs. Yon frèm pa ka yon ennemi, yon frèm pa ka yon adversaire pour moi. Eh bien, tout vrai chrétien nous gagne pour ennemi Satan, le diable. Et c'est bien dommage lorsque nous est frère en Christ, yon ap goumen contre l'autre, yon et pa vle ou l'autre. Eh bien, lorsque ou dit ou c'est petit bon Dieu, eh bien, ou besoin qu'on ait que adversaire nous, lisse Satan, le diable, l'éclair. Et cependant, comme chrétiens, nous pas gain pour une peur Satan. Nous pas gain pour une peur Satan. Et de nos jours, à cause que en pile monde, yo pas qu'on la parole, yo pas qu'on l'enseignement de la parole. Eh bien, des fois Satan l'inamite en nous, Satan la caille nous. Eh bien, au besoin qu'on ait. Lorsqu'on connaît la parole ou connaît ça la parole dit, eh bien, on connaît comment pour attaquer. Lorsqu'on gagne les armes spirituelles que l'apôtre Paul lui-même lui présente nous là, pour nous capable de mener combat ça, eh bien, lorsqu'on identifie l'adversaire, lorsque c'est voix Satan qui l'a, il faut être capable de connaître que c'est voix Satan. En pile fois, on a dit, bah, piem Satan, tombe diable, tombe Satan, Satan qui a pris nous. Parce que nous ne connaissons pas comment pour nous. Nous par contre comment pour nous utiliser zame spirituelle ça pour nous attaquer adversaire là qui c'est Satan le diable. On connaît que adversaire nous pas yon moun. C'est très important. Li pas yon moun même si li capable habiter dans yon moun. Lorsque yon mauvais esprit habite dans yon moun, c'est yon mauvais esprit qui habite dans moun nan. Mais adversaire nous li capable prendre différentes formes. Mais lorsque nous possédons les armes spirituelles, lorsque nous armons nous, eh bien nous sommes capables d'identifier Satan. Donc,
nous pas gommer à qui monde mais axi là que bon Dieu te mette dehors. Nous besoin qu'on est à qui est-ce que nous en a fait. Nous besoin qu'on est qui est-ce qui Satan le diable. Et c'est bien dommage en pile monde yo l'église mais mandé yo bon moi vini là moi oui moi vini l'église yo mandé pour m'accepter Christ moi accepter Christ mais mon n'a pas connait qui ça l'embarqué li pas connait qui ça li embarqué li enrôlé dans yon l'armée ou enrôlé dans armée céleste là mais ou pas connait qui ça embarqué yon moun y a initié nan l'armée canadienne ou bien l'armée américaine et bien yo prend le temps pour former li pour former li pour ba yon formation pour capable connait nan ki sa la embarqué. C'est la même chose pour chrétien, c'est-à-dire tout vrai chrétien ou besoin connait que ou fait partie de yon l'armée ou gagner des adversaires mais pour capable connait nan ki sont embarqué et bien c'est l'enseignement de la parole. Lorsqu'on fin converti, eh bien, ou rentre l'église, ou pas qu'on la parole, ou pas enseigne la parole, ou rentre là, ou tande tout moun a dit tombe diable, ou a dit tombe diable, tout, en bas pied Satan, en bas pied Satan, tandis que, fauché avec nan tête, ou an, c'est pour Satan lié. Hein? Ou gen a fait Satan sou, et puis ou a dit, en bas pied Satan, ou a chasse Satan. Non! Satan la pri, ou la fort grimace, parce que ou gen bagay Satan, nan mais on. Faut qu'on dépouille. Et malheureusement, moun yo yo pas konn la parole, yo pas konn l'enseignement de la parole, eh bien, yo pas konn comment pour yo attaquer Satan, yo pas konn comment pour yo utiliser zam yo contre Satan le diable. Ça fait Satan fait ravage de nos jours parce que chrétien yo yo pas gen formation, moun yo yo rentre l'église pour yo capable délivrer, yo rentre l'église derrière miracle. Yo rentre l'église pour yo sauver, y a cherché prospérité, y a cherché les biens matériels, yo même yo pensé que depuis yo vini l'église, eh bien tout bagay pral changer. Non. Non. Eh bien c'est un combat, c'est une lutte perpétuelle. C'est dans un combat qu'on rentre. Et ça fait en pile vini, yo pas arrêté. Parce que yo pas konn nan ki sa yo embarqué. Eh bien apôtre Paul, il présentait les armes spirituelles du chrétien côté que la exhorter les chrétiens d'Éphèse pour utiliser zame ça parce que nous non combat. Nous avons un adversaire qui c'est Satan le diable, un adversaire qui est puissant. Et bien nous-mêmes par la force toute puissante de Dieu, et bien nous besoin qu'on comment pour nous utiliser ça zame ça contre Satan le diable et zame ça et les âmes spirituelles nous pral énumérer pour première zame nan c'est vérité, la vérité. OK, la vérité. Et deuxième nan c'est la justice. Troisième nan c'est zèle. Quatrième nan c'est confiance. Cinquième nan c'est la délivrance, le salut. Et sixième nan c'est parole, la parole de Dieu, la Bible. La Bible qui est la parole de Dieu. Et cinq premiers âmes nous sont énumérés yo. Et bien yo gen rôle pour yo assurer défense. Ce sont des âmes défensives. OK, ce sont des âmes défensives, mais sixième âme nan, qui c'est la parole, qui c'est la Bible, même li joue yon double rôle. Li rempli deux rôles, li c'est yon âme, non seulement li défensive, mais li offensive également. Ou capable défendre avec la parole, et bien capable attaquer tout. C'est une âme défensive et offensive en même temps. Et nous pral wè ça plus loin, côté que Jésus lui-même, li te résisté devant Satan, pas la parole. Il était utilisé la parole pour te défendre ni et il était utilisé la parole tout pour te attaquer Satan le diable. Et ou même comme chrétien ou dit moi pas qu'on la parole comment pral attaquer Satan. Et pour qu'on la parole c'est lorsque ou vinn dans enseignement de la parole de Dieu. C'est lorsque ou vinn dans l'école dominicale ou vinn apprendre. C'est lorsque ou rester dans l'enseignement de la parole, l'étude biblique. C'est seul moyen pour capable qu'on la parole. Eh bien, nous prenons une pause, nous observer une pause, et puis après, nous tourner pour nous capables de développer les armes spirituelles du chrétien. On va suivre l'émission Souper spirituelle sur la THM, la télévision haïtienne de Montréal, la télé
à votre image. Alors nous saluons Pasteur Abdias qui part avec nous, qui empêchait malheureusement. Lila, Lina téléphone, yo dit nous sous Lina, li pral intervenu. Région fait nous signe que li pral intervenu tout à l'heure. Eh bien, nous prenons un coup de. C'est votre émission Souper Spirituel. Alors nous saluons tous les amis, téléspectateurs, téléspectatrices qui bien branchés, qui ont suivi l'émission Souper Spirituel. Nous saluons notre ami, notre frère, le pasteur Abdias Jean Musac. Nous saluons tous les membres de l'église Mission, la Maison de l'Éternel, qui bien branchés, qui ont suivi l'émission Souper Spirituel. Et puis nous saluons tous les amis,
frères actions nous cap suivent nous à travers le monde. C'est émission soupe spirituelle tous les samedis à compter de 20h de 20h à 21h30 sur la THM, la télévision haïtienne de Montréal, la télé à votre image. Alors cette émission est en rediffusion les dimanches à compter de 20h, demain soir à compter de 20h, les mercredis aussi à partir de 20h également. Et avant pause là, nous t'as parlé ou nous t'as présenté les armes spirituelles là, du chrétien. Alors c'est étude ça que n'a présenté ou assoyant dans le cadre d'émission soupe spirituelle, cette émission qui met l'emphase sur l'enseignement de la parole qui est la Bible. Cette émission qui met l'emphase sur l'importance pour qu'on de la parole, de l'importance de la parole qui c'est la Bible, et l'important pour tout chrétien pour qu'on la parole, parce que mon peuple meurt, le prophète a eu à dire, mon peuple meurt faute de connaissance. Faute de connaissance, peuple en la mourir, parce que effectivement, lorsque vous pas qu'on la parole, j'en ai dit tout à l'heure, lorsque ou pas qu'on Satan, le diable qui c'est adversaire, ou pas qu'on est qui sont embarqués, ou pas qu'on est sont embarqués dans le combat, comme tout chrétien, ou rentrer ou accepter Christ, eh bien, faut qu'on admettre que vous rentrez dans un combat, vous rentrez dans une bataille, vie chrétienne n'est pas de jambes facile. Et tout chrétien, les premiers chrétiens, histoire de l'Église, les apôtres, les disciples de Jésus, tout te connaît des moments difficiles. Vie chrétienne n'est pas de jambes facile, l'Évangile n'est pas de jambes facile. Il n'est pas de jambes facile, c'est toujours un combat que l'itéye. Et zam sa yo, zam que nous besoin pour nous mener un combat, ça, apôtre Paul li énumère zam sa yo. Apôtre Paul mandé chrétien Ephésio, pour yo rete ferme. C'est exhortation ça, il était exhorté pour yo rete ferme. Pour ça fait, yo besoin mettre sous yo zam bon Dieu ba yo. Pour yo capable rete ferme, pour capable rete jam, eh bien yo besoin mettre zam les âmes spirituelles de Dieu, yo besoin mettre sous. Nous quoi apôtre là té utiliser modèle habillement yon soldat romain que nous sont expliqué tout à l'heure, hein? Et comme base illustration, il était plus facile. OK, pour te utiliser, illustration soldat romain, parce que Rome c'était la puissance militaire de l'époque, il était plus facile parce que peuple yo te côtoyer soldat romain, yo te connaît caractéristiques yon soldat romain, pour te expliquer yo, pour te expliquer chrétien Ephésio zam spirituel. Le verset 14 rive dans 17, il présente 6 qualités zam qui nécessaires pour nous comme chrétiens, nous sommes cités pour vous. 6 qualités d'âme spirituelle qui nécessaire comme chrétien qui dans l'armée chrétienne, eh bien âme ça yo indispensable. Et première âme qui c'est la vérité, la vérité qui c'est première âme indispensable pour nous-mêmes qui c'est chrétien qui dans qui engagé nous dans une bataille spirituelle. La vérité, eh bien vérité il gagne rapport spécialement à qui une attitude sincère, droite et puis honnête dans toute bagaille. La vérité, eh bien, apôtre Paul lui présente la première âme. Un chrétien doit posséder, c'est la vérité. Ou supposé qu'il y a une attitude sincère, droite, qui est honnête dans toute bagaille. Et c'est ça que pasteur Abdias lui-même l'a prêché à travers l'émission Déjeuner spirituel. Dans l'église mission la maison de l'Éternel, dans soupe spirituelle, côté qu'il a exhorté nous, nous, yon chrétien, les supposé droit. La vérité, eh bien, qui gagne rapport spécialement avec une attitude sincère, droite, honnête dans toute bagaille. Elle a dit, comme vrai chrétien, eh bien, ou supposé honnête, c'est premier, c'est une des âmes qui est très très importante. Et apôtre Paul présenté l'en premier. Parce que lorsque ou pas droite ou pas honnête ou pas véridique, parole ou pas la vérité, eh bien adversaire là, il joue un moyen pour lui attaquer ou. Et lorsque ou même ou nan magou ou nan tout ça pas ça, eh bien cet esprit là, li écato. Ou pas gen la présence de Dieu avec ou pas gen la puissance de cet esprit avec ou, eh bien li plus facile pour adversaire là lui-même li attaquer ou. Et la vérité, eh bien apôtre Paul li présente nous dans tout genre zam sa nous li doit jouer rôle ceinturon, ceinture spirituelle pour rendre chrétien fort. Wow,
ceinture, si je mettais pantalon sous moi, je n'ai pas de ceinture. Je n'ai pas de ceinture, c'est sûr que le pantalon n'est pas arrêté. Ok? Elle a dit pour me capable fort, pour me capable jump, pour pantalon capable arrêté, eh bien, vous supposez gagner la vérité qui c'est ceinture pour rendre un chrétien fort. Vous supposez droite, vous supposez efforcé ou capable mener une vie exemplaire qui c'est la vérité qui c'est ceinturon. Apôtre Paul présentait la vérité comme ceinturon lorsque soldat ou main, eh bien c'est ceinturon qui te rend fort, c'est ceinture ça. Lorsque on prend dans ceinture, c'est dans ceinture là côté des armes nan yé, tout instrument, toute munition yo, eh bien ceinture là, il est très très important. La vérité. La vérité supposé oui ou doué oui ou non ou doué non. La justice qui c'est une autre arme puissante que apôtre Paul lui-même lui présenté nous et thème ça li souvent considéré comme la justification que chrétien lui-même ni joint dans Christ. D'après l'être Paul, eh bien, étant donc justifié, nous avons la vie en Jésus-Christ, justifié par la foi. C'est que la justification justifie chrétien et nous joint ni dans Christ. Eh bien, c'est Christ qui rend nous juste parce que nous péché, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, eh bien, nous tous, nous sommes coupables, mais grâce à sans Jésus qui est coulé à la croix pour nous, eh bien, nous sommes joints de la justification, littéralement nous juste, littéralement nous pur. Et Zam ça, et justice là, les gains, et caractère conduite nous, la justice morale. La justice morale, côté que comme chrétien, ou bien ça ou les conscience. Conscience ou qui se juge ou. Ou pas besoin de présenter la cour, ou pas besoin de présenter devant yon moun. Ok? Eh bien, ou même comme chrétien, ou gagne conscience ou qui se vrai juge ou. Et zam ça, li doit servir comme défense contre toute accusation conscience ou, et puis contre force accusation diable qui a lancé sous nous. Même Jean soldat ou mais te gagne une plaque pour qui te pour protéger l'estomac pour parer flèche ennemi. Mais la justice c'est un arme que nous-mêmes nous devons utiliser pour nous capables lorsque Satan lui-même lui accuse nous. Et bien nous-mêmes pour nous capables et pour nous capables attaquer Satan le diable parce que nous besoin d'armes ça nous besoin gagner la justice. Lorsque ou c'est chrétien, eh bien, ou pas gagner, ou perdu toute conscience, ou perdu toute caractéristique ou sur le plan moral, eh bien, le sont pas qu'à attaquer. Ou pas qu'à, lorsque Satan lui-même lui accusé, ou lorsque adversaire lui-même lui jeté de fausses accusations sur vous, eh bien, ou pas qu'à défendre. Ou besoin gagner la justice de Dieu, ou besoin gagner conscience. Conscience ou pas de mourir. Ou besoin gagner en conduite. Ou besoin juge tête ou. C'est très très important. Zèle. Zèle qui c'est une âme défensive aussi. Le zèle. Côté que le dit, tenez donc ferme. Et verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Lorsque vous êtes chrétien, vous acceptez Jésus-Christ, eh bien, vous n'avez pas qu'à dire que vous êtes chrétien, et puis 5 ans, 10 ans, ou là. Vous n'avez jamais gagné un engouement pour faire rien, vous n'avez jamais gagné un engouement pour faire quoi que ce soit, vous n'avez jamais pris position pour travail bon Dieu, pas où était là. Eh bien, apôtre Paul, il présente nous, zam ça, le zèle comme une zam défensive, ça capable de gagner rapport avec stabilité ou bien assurance que bonne nouvelle l'évangile en bail, croyant qui recevoir, qu'est posé à même gens, soulier dans pied soldat ou mais en te fait le sentir confortable. C'est tout dévouement pour annoncer bonne nouvelle qui bail, qu'est posé.
dévouement que vous gagnez pour annoncer. Par exemple, souper spirituel. L'église mission la maison de l'Éternel, côté que pasteur Abdias mettait tout moyen, le zèle pour annoncer l'évangile de grâce. Nous n'en déjeuner spirituel, nous n'en souper spirituel, église mission la maison de l'Éternel. Tout dévouement, toute activité pour annoncer bonne nouvelle là, parce qu'on pas cadeau ces chrétiens pour rester là ou pas jamais parler au monde de bon Dieu ou pas jamais annoncer bonne nouvelle là ou pas jamais ouvrir bouche pour prendre défense Seigneur ou pas jamais dit moi-même moi veux impliquer moi-même moi veux travailler pour avancement cause Seigneur pour avancement royaume là le zèle il très très c'est une âme spirituelle pour capable gourmer contre Satan le diable dévouement pour annoncer bonne nouvelle là et lorsque on annonce bonne nouvelle là eh bien ou bouleverser royaume Satan lorsque on annonce la bonne nouvelle de l'évangile eh bien on attaque Satan pas content souper spirituel côté que des milliers de personnes à suivre nous à garder nous côté que n'a annoncé la bonne nouvelle eh bien Satan pas d'accord Satan fâché à l'émission déjeuner spirituel n'a annoncé la bonne nouvelle eh bien n'a attaqué Satan c'est sûr que Satan lui-même il est pas content et lorsque vous êtes comme chrétien OK ou là 5 ans 10 ans à l'église ou fait ti affaire et puis s'arrêter là ou pas jamais prend position pas jamais prend des initiatives eh bien, zam ça, eh bien, lorsque ou pas utiliser zam ça, ce qui c'est une zam défensive pour bouleverser le royaume Satan, par la prière, par le jeûne, côté que vous cherchez bon Dieu, vous travaillez pour avancement royaume, non. C'est une zam puissante, c'est une zam spirituelle, le zèle, et nous avons la confiance. Confiance, c'est quatrième âme. C'est instrument qui pour parer toute flèche, tout l'humain diable en t'a lancé sous nous. Tant que soldat romain t'es qu'on utilise bouclier li pour défendre flèche l'ennemi. Ok? La confiance, c'est un instrument qui pour parer toute flèche. Côté que ou gain confiance dans Seigneur, ou gain confiance dans maître ou eh bien ou inébranlable. Ou qu'on est que, quelle que soit situation, ou était très confiant. Ou après, un paquet de monde qui paniquait. Ils paniquaient pour n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont pas confiance. Mais nous-mêmes, lorsque nous connaissons que, à qui est-ce nous en affaire, eh bien, nous très confiants, nous calmes. Quelle que soit situation, lorsque Satan lui-même lui voulait faire bruit, lui voulait tracasser collier, eh bien, c'est bruit sa patte. Nous-mêmes, nous étions calmes, nous très confiants. La délivrance, le salut. Même Jean, apôtre Paul fait allusion, même Jean Caslan, qui était dans tête soldat romain, était bali, y a un sentiment de sécurité. Qu'on a toute assurance que nous sauver aujourd'hui, et puis pour tout temps qu'à venir, grâce à le pouvoir bon Dieu, c'est une âme défensive. Pour nous capables contre attaque Satan. Le salut, la délivrance. Eh bien, grâce à délivrance, grâce à salut, ça, que nous joignons à travers Jésus-Christ, à travers le sang de l'agneau, eh bien, c'est une âme indiscutable pour nous capables attaquer Satan. Le salut, lorsque vous sauvez, par le sang de Jésus, et bien Satan pas qu'à faire peur. Ou gain pouvoir sous Satan. Ou gain pouvoir sous l'ennemi, l'ennemi pas qu'à faire rien. Parce que l'ennemi est déjà vaincu. Déjà vaincu. Grâce à sang Jésus, grâce à salut, ça que nous héritiers par le sang de l'agneau. Et sixième amenant, qui c'est la parole de Dieu. La Bible. Et apôtre Paul dit si cinq premiers amis te gain rôle pour assurer défense nous côté que ce sont des armes défensives mais parole bon Dieu c'est seules armes qui remplit deux fonctions.
nous défendre nous, li la pour défendre nous avec parole là nous capable défendre nous contre Satan et puis nous capable attaquer Satan tout. Mais pour capable utiliser zam ça contre Satan faut qu'on la parole. Faut qu'on la parole pour capable défendre nous contre Satan et puis pour capable attaquer Satan. Et efficacité zam ça il était prouvé la façon que Jésus t'a résisté devant Satan dans le désert. Matthieu 4, verset 1 à 11, nous pral voir côté que zam ça qui c'est la parole, nous pral voir efficacité zam ça. Eh bien, il t'a prouvé la façon que Jésus t'a résisté devant Satan dans le désert. Matthieu 4, verset 1 à 11, tentation de Jésus. N'appli pour où? Alors, Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, vous entendez? « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit. » Vous entendez ça? Satan attaque Jésus par la parole. Jésus contre-attaque Satan par la parole. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Voilà. Comment que Jésus lui-même, eh bien, il t'a utilisé la parole, côté que Satan t'a utilisé la parole pour t'a attaquer Jésus, mais Jésus lui-même t'a utilisé la parole aussi, non seulement pour le défendre, mais même pour t'a attaquer Satan en même temps. Alors, c'est un impératif pour qu'on la parole. Alors, ou même qui douce chrétien, ou pas prendre le temps pour qu'on la parole, ou pas prendre le temps pour retenir dans l'enseignement, comment on peut le faire défendre nous contre Satan? Parce que Satan, il connaît la parole. Ok? Satan connaît la parole, il connaît la Bible, il connaît ce que la parole dit. Parce que Satan, t'es dans le royaume, non? Satan, c'est un ange déchu. Il connaît. Et bien, si Jésus lui-même, Satan rivé rusé que lié pour Satan comprendre que lui présenter Jésus côté que l'a dit Jésus eh bien et lui dit si tu es le fils de Dieu ordonne que ces pierres deviennent des pains. OK? Et Jésus dit lui l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que Jésus après 40 jours de jeûne il grand goût. Eh bien, Satan profite de situation pour le vin tenter. Alors, ou même, ou besoin qu'on la parole pour capable attaquer Satan, non seulement pour défendre nous contre Satan, mais pour capable attaquer Satan tout, ou besoin qu'on la parole. Et c'est dommage, puisque nous pas qu'on la parole, eh bien, nous n'avons lutte perpétuelle avec Satan. Nous pas qu'on comment pour nous utiliser la parole contre Satan. Et nous exhorter à cela dans l'émission Soupe spirituelle, une émission qui mettait accent sur l'importance de la parole. Lorsque le prophète Osée dit, mon peuple meurt par faute de connaissance, eh bien, lors pas qu'on la parole, quelle que soit la situation privée devant, j'en nous saute dit tout à l'heure, puisqu'on pas qu'on la parole, eh bien, lorsqu'on démon présenté, on a fait jeûne avec deux mois. Au lieu pour chasser deux mois, c'est jeûne ou faire avec lui. On a jeûné avec deux mois, on a prié avec deux mois, on a éternel monde parce que nous ne connaissons pas la parole.
Tandis que la Bible dit, eh bien, c'est chasser, chasser démons. Jésus-Christ dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur l'ennemi. OK? Pour nous chasser lui. Ce n'est pas prier pour nous prier avec Satan, ce n'est pas prier pour nous prier avec démons. Eh bien, chers amis, nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous besoin qu'on ait que nous besoin armer nous de ces armes spirituelles pour nous capables de mener combat ça. C'est un combat spirituel, eh bien ça prend des armes spirituelles. Et lorsque ou charnel, yon moun kap vive selon la chair, eh bien ou pas capable de posséder les armes spirituelles. Eh bien ou besoin vivre selon l'esprit, et lorsqu'on vit selon l'esprit, eh bien c'est l'esprit lui-même qui est capable d'armer ou de ses armes spirituelles pour mener combat ça. Et verset 18 à 20, arrivé dans verset 21, eh bien apôtre Paul mettait en phase aussi sur la prière. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplication, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Apôtre Paul présente nous l'importance de la prière dans le combat. Combat, ça va mener, et bien c'est sous genoux pour mener, c'est dans la prière. Et Jésus était toujours à prier, et il était qu'on encourageait les disciples pour prier tout. Parce que ou pas qu'à mener combat ça sans la prière. Et verset 10, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Vous supposez prier. Et apôtre Paul, chrétien Ephésiens, tu dois prier non seulement pour tête par eux, mais pour tout peuple bon Dieu. Et pour apôtre Paul en particulier, apôtre Paul demande pour prier parce que sans la prière, li mathématiquement impossible pour mener combat ça. Le combat spirituel, c'est sous genou, c'est dans le jeûne, veille de nuit, pas un chrétien sans la prière. Li important pour mener une vie de prière. Et une caractéristique de la maison de l'Éternel, c'est que pasteur Abdias surtout les mettait en pile en phase sur la prière. Et ce maintenant, il commençait chaque soir à partir de 10h, il sous Facebook, là, sur YouTube, là, la prier de 10h à 21h30, la prier parce que pas gain chrétien sans la prière. Les vendredis, nous gain veille de nuit, cri de minuit, nous chercher bon Dieu par la prière. Samedi à 2h, nous gain prière pour le staff. Il est important pour nous rester connectés dans la prière. Pas gain chrétien sans la prière pour être capable mener combat ça. Eh bien, ça prend la prière, importance de la prière. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, priez une l'autre. Alors, mes chers amis, nous exhortons à soi pour être capable d'armer ou de âmes ça. Ou même qui cap suivent nous là, ou même qui douce chrétien, évangéliste, pasteur, dame missionnaire, ou gain 10 ans, 15 ans l'église, eh bien, ou besoin armé ou de ses armes spirituelles pour nous capable mener combat ça, contre Satan, le diable. Et ou même qui te décourage tout, ou même que adversaire là lui-même, eh bien, ou pas qu'à résister contre attaque adversaire là, eh bien, ou besoin armé ou de ses armes spirituelles, ou besoin de rentrer dans la prière. Et lorsqu'on a mené une vie de prière, eh bien la prière lui-même, on est capable fort, la prière a bon force, on est capable de mener un combat spirituel. Ça, parce que son combat spirituel n'est pas charnel. Les âmes spirituelles du chrétien, tout vrai chrétien, et bien même Jean-Paul Paul t'a exhorté les chrétiens d'Éphèse, et bien nous-mêmes, la Bible exhorte nous, la parole exhorte nous, nous besoin cultiver, nous besoin chercher pour nous armer nous avec les âmes spirituelles pour nous capables d'attaquer Satan. Pour nous, à travers la parole, à travers l'enseignement de la parole, non seulement pour nous défendre nous contre Satan, mais pour nous capables d'attaquer Satan tout.
même Jean Jésus-Christ même était défendu avec la parole contre Satan. Il était défendu et il était attaqué Satan également par la parole. Alors, il est très très important pour nous connaître la parole. Et de nos jours, Satan connaît les âmes, ça, les âmes qui sont tellement puissants. Et bien, qui ça le fait? Il fait qu'il y a Bible, tout le monde a une Bible sous téléphone. Lors dit ou pral li un verset, et bien tout le monde rale téléphone, nous appelons somme 23, tout le monde rale somme 23 sous téléphone, sous tablette. Yo. Moun pa li Bible encore, moun pa connaît la parole, parce que Satan connaît les âmes, ça tellement puissant, et bien il fait moun négliger enseignement, il fait moun négliger école dominicale. Des fois, parler de études bibliques, moun pa intéressé à bailler comme ça, moun intéressé à miracle, moun intéressé à délivrance, côté gain défoulement, volant l'air, moun a dansé. Mais quand il s'agit de la parole, personne ne peut faire cas de ça parce que Satan connaît fausses âmes. Ce sont des âmes à double tranchant, qui ont double portée. La parole, la Bible, et nous exhorter ou pour capable demeurer dans l'enseignement de la parole de Dieu. Alors c'est pour raison ça, soupe spirituelle, nous mettons en face sur l'enseignement de la parole qui est la Bible. Nous pensons que l'air est presque arrivé, l'air est censé arriver. Nous prenons une pause, une dernière pause musicale, et puis après pause, nous tournons pour nous capables de parler de gala. Le premier gala, le tout premier gala de l'émission Déjeuner spirituel qui a lieu dimanche le 15 décembre. Nous tournons pour nous parler de gala et puis parler de l'activité que nous avons dans la maison de l'Éternel. Les 7 vendredis, côté que nous avons invoqué les 7 esprits de l'Éternel. Nous, hier soir, c'était 3e vendredi, il y a 4 vendredis, les 4 derniers vendredis pour terminer l'année. Eh bien, nous invitons vendredi prochain pour être capable avec nous. Mais nous prenons une pause et après, nous allons tourner pour nous parler de tout ça, pour nous capable clore l'émission. À tout de suite.
Nous sommes de retour après cette dernière pause musicale à l'émission de ce soir, Souper spirituel, en ce samedi 29 novembre 2019. Alors, merci ou même qui t'es branché, qui t'a suivi l'émission ça. Nous t'a présenté ou les armes spirituelles du chrétien dans le cadre de l'émission Souper spirituel qui mettait en phase sur l'enseignement, l'importance de l'enseignement de la Bible, à côté que nous t'avons présenté les armes spirituelles du chrétien que l'apôtre Paul lui-même a énuméré selon Éphésiens 6, versets 10 à 24. Et nous espérons que vous t'es édifié à travers l'enseignement de la parole. Et bien, l'important qu'on y a, ou même pour capable de revertir ou de armes, ça, pour capable de mener combat, ça, qui c'est le combat spirituel, côté que vous besoin. Tout d'abord, identifier l'adversaire. Là, qu'on est que l'adversaire, non, c'est Satan, le diable. Nous pas un adversaire physique, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous pas, c'est pas un combat physique, mais le combat est plutôt spirituel. Nous besoin identifier l'adversaire là. Nous besoin qu'on est que nous en affaire avec un adversaire qui c'est Satan, le diable. Nous besoin revertir nous des armes spirituelles pour nous capables de mener combat ça qui c'est combat spirituel. Nous besoin utiliser toutes armes ça. Et en terminant, nous connaissons dans la prière, c'est dans l'ambiance de prière que nous sommes capables de combattre l'adversaire. Lorsque nous étions dans la prière, et nous avons besoin de prier une autre pour nous capables de mener le combat. Ça. Nous avons besoin de rester dans la prière et nous avons besoin de connaître. Nous avons un seul adversaire. Nous avons lutté contre un seul adversaire qui c'est Satan, le diable. Alors, tout vrai chrétien, nous avons besoin de connaître l'adversaire, nous c'est Satan. Le diable n'a pas lutté contre Satan. Et où besoin qu'on ait tout? Eh bien, ou fait partie de l'armée céleste, armée Christ là, ou engagé ou dans un combat. Et combat, ça n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel, ça prend les âmes spirituelles, ça prend la prière, le jeûne, pour nous capables de mener combat. Ça, c'est une ambiance de prière pour nous capables de vaincre Satan, le diable. Voilà. C'était exhortation pour vous, c'était enseignement pour nous dans le cadre d'émission Souper spirituel. Et avant de finir, Abdou, dimanche le 15 décembre, c'est un bagage tête chargée, le tout premier gala de l'émission Déjeuner spirituel. Alors, même qui peut gagner billet ou dépêchez-vous. Déjà demain, c'est premier décembre. Nous avons demain comme date limite pour tout le monde qui t'a retiré bien pour le pays. N'a profité remercier toutes amis nous, toutes amis émission Souper spirituel, émission Déjeuner spirituel, les amis de l'église Mission la Maison de l'Éternel, les membres de l'église Mission la Maison de l'Éternel qui déjà retiré bien pour gala ça, le tout premier gala de l'émission Déjeuner spirituel, c'est dimanche le 15 décembre. N'a gagné Mireille Filoska, l'une des plus belles voix gospel qui a là pour chanter pour nous. Peterson Mead, alias Garçon Macouclin, Edwin Dorival, a là avec groupe Lee dans un premier temps pour conduire nous dans l'adoration. Et Jackie Laurent, qui a là pour interpréter des chansonnettes françaises. Et Tapis Rouge, Souper 5 Services, défilé de couple. Alors, très beau. Bel programme en perspective. Billet régulier aussi, $60. $60, billet régulier. Et section VIP, $80. Et traitement royal. Capable de relayer nous dans 514-588-1843. 514-588-1843. Car relayer Pasteur Abdiasto, 514-892-7361. 514-892-7361. Pour capable de réserver. Pour capable de passer tout dans AGM. Multiservice 2331 rue Fleury Est, coin de Lille, pour retirer billet ou pour gala. Et au cas passé dans marché Cascout Aimé, marché caribéen Aimé, 5770 Jean Talon Est, proche de Lacordaire. Alors, n'attendons nous les super branchés, les téléspectateurs de Souper spirituel. THM à plat en direct, c'est confirmé. La télévision haïtienne de Montréal à plat, nous pouvons connaître. Et comment table à pied? Est-ce que THM a fait en table? Ben nous connaissons que THM a plat en direct pour couvrir Grand Galaza. Alors, vous-même qui t'avez supporté nous, relez-nous, bien passer dans la Maison de l'Éternel pour capable retirer billets également. Et demain matin, nous
attend nous dans la maison de l'Éternel, 6970 2e avenue Bélanger. C'est là nous y est. C'est tout près côté noté avant 2953 rue Bélanger, nous parle encore, c'est local elle déjà nous parle, mais nous tout près. C'est dans 2e avenue Bélanger nous y est. 6970 2e avenue Bélanger, c'est là que nous y est provisoirement. L'église mission la maison de l'Éternel, demain matin à compter de 9h30, de 9h30 à 10h30, c'est l'enseignement de la parole, l'étude biblique, ça nous est l'école dominicale, et suivi du culte d'adoration jusqu'à 13h. Eh bien, si ou même qui habitez Montréal, ou pas gagnons l'église, eh bien, nous invitons, visitez-nous dans la maison de l'Éternel demain matin à compter de 9h30, et ou même qui suivent nous tous, quel que soit côtoyant, sous ta gueule, famille ou Montréal, cap chercher en l'église et nous capable diriger dans l'église mission la maison de l'Éternel 2953 rue Bélanger Est demain matin, pas 2953, désolé 2953 c'est l'ancienne adresse, mais nous pas trop loin, ça l'LDG, c'est une rue, c'est 2e avenue, l'autre rue après, c'est 69 70 2e avenue Bélanger, lorsque au coin de Bélanger ou descendre sur la main gauche 69 70 2e avenue Bélanger, c'est là nous. Voilà. Merci beaucoup. Régie affiché pour nous. Merci beaucoup. 69-70, 2e avenue Bélanger, c'est là nous. Et demain matin, nous attendons nous. Si nous cherchons l'église, j'en nous dis, eh bien, nous invitons aux capables de visiter nous. Et puis, un accueil chaleureux vous y attend. Et si vous avez l'église, où, eh bien, nous invitons à aller l'église. Aller l'église. Demain, c'est le premier dimanche du mois de décembre. Le 12e mois de l'année, eh bien, nous invitons à adorer le Seigneur. Et nous-mêmes, souper spirituel, dans l'émission souper spirituel, eh bien, nous sommes là pour nous préparer, pour être capable déjà pour nous préparer pour adorer le Seigneur. Nous croyons que c'est toute annonce que nous avons gagné. Nous avons remercié Régis et nous avons remercié les techniciens qui ont mis nous en onde. Nous remercions Pasteur Abdias Jean Musac. Nous remercions toute l'équipe à la maison de l'Éternel. Nous remercions tout le monde qui supportait. Nous remercions nos commanditaires, tout le monde qui supportait Chosa et ou même téléspectateurs, téléspectatrices. Nous espérons que nous avons été bénis à travers l'enseignement de la parole. Et si toutefois, pour une raison ou l'autre, vous avez raté l'émission, ça, et bien demain soir, l'émission là en reprise à compter de 20h jusqu'à 21h30 et puis mercredi également. En reprise à compter de 20h. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne nuit et puis demain, je vous souhaite déjà une bonne adoration. Ciao, ciao. Que le Seigneur vous bénisse. Allez. Une église pour un nouveau départ, un endroit pour vous réconcilier avec Dieu, un endroit où l'amour et la communion fraternelle sont les pierres angulaires. Tous les vendredis de 18h à minuit, études bibliques, veille de nuit, cri de minuit. Les dimanches, école dominicale de 9h30 à 10h30, suivi du culte d'adoration jusqu'à 13h. En soirée, service d'évangélisation et de prière de 18h30 à 21h. On peut rejoindre le pasteur Abdias au 514-892-7361. L'église mission La Maison de l'Éternel, 2953 rue Bélanger Est. Une église où l'authenticité fait la différence. Pour toute assurance vie individuelle, invalidité, accident, maladie grave, hypothécaire, assurance voyage, régime enregistré d'épargne retraite, REER, ouverture et transfert du régime enregistré d'épargne études, REER, compte d'épargne libre d'impôt, CELI, assurance auto et habitation, une seule référence, Dena des Roses, conseiller en sécurité financière pour une vie toujours en rose et une famille en liesse, même dans la vieillesse. Téléphone 514-588-18. 843-514-588-1843. AGM Multiservice, c'est la référence en matière de vente et réparation de cellulaires, ordinateurs, télévisions, iPad, laptop, accessoires informatiques et électroniques. Vente de TV Box pour les chaînes haïtiennes. AGM Multiservice, c'est également transfert d'argent partout à travers le monde. Minute sur votre téléphone. Paiement des factures de téléphone, assurance et Hydro-Québec,
AJM Café Internet, vente de CD évangéliques, billets pour concert Festival Gospel, fax, photocopie, etc. Supporter AJM, c'est supporter l'émission Déjeuner Spirituel. Passez-nous voir au 2331 Rue Fleury Est, Montréal, coin de Lille. Téléphone 514-892-7361, 438-558-0664.